Corinne Verret-Collin, c'est mon nom d'artiste. Et donc je suis à la fois dessinatrice, je fais aussi des sculptures qui sont plutôt des sculptures dans l'espace et des dessins, j'ai fait aussi des gravures. Voilà. Bonjour, donc moi mon nom c'est Pierre Collin et moi j'ai une pratique à la fois du dessin, de la gravure et de la peinture. Et je fais, surtout pour cette exposition, un travail sur le paysage et sur des paysages que je parcours, que j'épluche dans le temps. Parfois, je peux passer 5 ans sur un motif. Alors, Ligne Croisée, c'est le fait que nous exposons ensemble pour la première fois, enfin, une exposition personnelle chacun. Et donc, c'est nos travaux qui se font quand même presque côte à côte, puisqu'on a nos ateliers l'un côté de l'autre, et qu'il y a donc des échanges entre eux, d'où le terme ligne croisée. On nous a proposé d'exposer tous les deux, donc nos travaux se faisant par série, donc côte à côte, il y a une forme de correspondance dans ces séries, mais pour un visiteur, je pense que chez toi, il va trouver vraiment cette capacité incroyable d'imagination que tu as, d'invention. Et moi, c'est plutôt dans ma quête du paysage qu'il y a une forme d'invention, en tout cas de recherche. D'introspection aussi, mais dans le paysage. Voilà. Moi, je suis intervenue aussi en les découpant, en découpant toutes ces gravures, lui en redessinant certaines parties, etc. Et moi, on a fait une mise en volume, comme je fais dans mon travail, de la boîte finale qui est au fond de l'exposition et qui est donc une mise en abîme, comme ça, de ce paysage. De tout ce paysage qui se retrouve dans une boîte, ce qui a offert à Pierre aussi une autre vision de son travail qui l'a renvoyé vers autre chose aussi. Oui, donc après, je me suis mis à jouer sur les épaisseurs que Corinne a déployées dans la boîte en reprenant dans mes gravures des couches de gravures avec des niveaux de gris différents et ce que j'appelle maintenant des gravures palimpsestes. Et ces gravures, elles sont nées de l'intervention de Corinne. Donc c'est vraiment un jeu d'aller-retour. De notre intervention à nous deux, quoi. Oui, du fait d'avoir fait ensemble cette boîte. C'est en le voyant faire que je me suis dit, tiens, je pourrais faire comme ça. Et moi, le fait de mettre en volume des gravures de Pierre au lieu de faire avec mes silhouettes ou des choses comme ça, ça m'a aussi ouvert d'autres portes. Donc c'était un échange constructif et qui a ouvert des voies pour chacun d'entre nous. Non, ça s'est décanté vraiment avec l'équipe du musée. Hein. Petit à petit, les choses se sont placées dans l'espace de l'exposition avec l'idée que nos séries se répondent. Et on peut voir les deux en même temps, mais en même temps, à chaque fois, on a essayé de poser un ensemble pour que le spectateur comprenne la recherche. Et on peut nous voir côte à côte, mais ce n'est pas mêlé sur chaque mur, si vous voulez. C'est vraiment un dialogue en duo, mais des duos avec des espaces distincts. Mais par contre, pendant l'élaboration même, il y a eu toute la période du confinement, et donc il y a des séries qui ont émergé pour l'un et pour l'autre de cette partie-là. Et c'était la promenade à Conlo, c'est-à-dire là où notre espace étant réduit à l'endroit où on habite. Bah, un kilomètre autour de la maison. Voilà. On pouvait descendre à Conlo, et où il n'y avait jamais personne, d'ailleurs c'était assez marrant. Et donc moi j'ai attaqué ça, et toi, je me suis un peu immergée dans les cartes postales, une masse de cartes postales qui me viennent de mes grands-parents paternels. Alors, moi j'ai recréé des paysages, inventé des paysages que je ne pouvais pas parcourir, par contre. Je ne sais pas si c'est une chose que je continuerai par la suite, mais c'est vraiment lié à cette idée de confinement et de travail côte à côte. Pierre passait très souvent, voilà, je montrais où j'en étais, moi pareil sur son travail. Et donc il y avait vraiment un échange dans la parole, dans le regard de l'autre. Nous, franchement, on est absolument ravis de cette exposition et de pouvoir enfin voir les choses hors de l'atelier et se côtoyer de la sorte. C'est vraiment un grand plaisir. Et on est content de pouvoir le partager avec les autres. Et
et de pouvoir les accueillir.